Si tu veux des coins pour NHL 19, va sur CoinsTrader. Le lien est dans la description. T'as 5% de rabais si tu utilises le code TheRock. En plus de ça, tu vas m'aider. Donc, si tu veux aider ton YouTuber préféré, va sur ce lien-là. Rapide, efficace. Bonne vidéo. On est de retour avec Rock the Rock et les Oilers d'Edmonton pour notre BE Pro 2019, NHL 2019. Donc, on l'embarque immédiatement. On va tout de même, après 6 parties, les Oilers sont 4 victoires, 2 défaites, et on va regarder les lignes. Donc, The Rock Jr. est en compagnie de Connor et de Ryan Nugent-Hopkins. Ça change pas. Ça fait 6 matchs qu'on est avec le premier trio. Ça va plutôt bien. Cependant, faut pas s'asseoir sur nos lauriers, faut pas s'asseoir sur le fait que ça va bien avec Connor McDavid et Hopkins, parce que le coach peut encore nous descendre et ça peut aller très vite. On est juste 71 overall, c'est sûr qu'on va pogner des séquences dans la saison où est-ce que ça va moins bien aller, ça c'est sûr et certain, mais faut continuer. Le pendant que ça va bien, faut que ça continue. Hopkins justement marque Carl Hagelin, on continue. Andrew Sequeira, donc 2-1 pour les Oilers. Les Oilers, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une saison. On en a eu une l'année passée, je pense, l'année d'avant avec McDavid. Ça avait été assez bien pour les Oilers, mais à part de ça, là, les Oilers ont de la misère depuis énormément d'années. Et là, ils ont encore repêché un attaquant de Rock Jr. Mais il semble, sur le premier trio avec Connor McDavid, là, ça semble cliquer. Et en tout cas, à date, on est 4 victoires, 2 défaites. Donc, on sait pas. Peut-être que ça va être payant. Mais let's go! McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, on est au Roger Place. Et surtout, on mène 2-1. Et c'est pas juste les points, là, c'est surtout les victoires. Hopkins va le tir. The Rock le retour. Deux fois, Jerry était là. Bel arrêt, mais bon début de troisième période. Sidney Crosby, beau repli de The Rock. Il contre-attaque. La passe à Ryan Nugent-Hopkins. J'attaque le devant du net. Hopkins laisse pour Clefbaum qui remet pour The Rock. The Rock vers Hopkins. Rate complètement son tir. Il aurait fallu qu'il se dépêche un peu plus. Là, il y avait une bonne place. Kessel, dangereux. Crosby, encore plus dangereux. Le temps. Les Penguins, là, ne sont pas à prendre à la légère. Schultz passe à Kessel. Quel arrêt de Talbot. Pendant que The Rock, là, tente de tasser Sidney Crosby. 2 à 1. On mène dans les tirs. Tout va bien avec McDavid. Faut que je donne la rondelle. Je suis un fabricant de jeu. On l'a vu, McDavid a déjà 7 buts. Et 3 à 1. Les Oilers en rajoutent. Excellent, ça. Donc, faut que je distribue la rondelle. C'est passe, 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 passe. Hopkins et surtout McDavid sont capables de marquer la rondelle qui dévie dangereusement. Et voilà les Penguins qui jouent de chance, mais c'est 3 à 2. Moins 1 là-dessus pour The Rock, c'est pas vraiment de sa faute. On va regarder la reprise, là, c'est vraiment dommage comment le but est arrivé. Le Cam Talbot a mal jugé ce rebond-là de la bande, a décidé de mettre son bâton trop tard. Et la rondelle a ricoché sur la bande, ensuite de ça, sur son bâton. Regardez ça, oh my god. Ou c'est le défenseur. Ou c'est peut-être Sequeira, là, le numéro 4. Oh, je pense que c'est Sequeira, numéro 4, qui a entré la rondelle directement dans le filet. Connor McDavid à la mise en jeu. C'est perdu. C'est gagné. Ryan Nugent-Hopkins. J'essaie d'attaquer le filet. Hopkins. Faut que tu donnes ça à McDavid, à Russell. La passe pour The Rock. The Rock va à McDavid. La passe qui a raté un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à garder la rondelle dans la zone? La réponse est oui. Le tir de McDavid qui passe bien près. The Rock le retour. On attaquait Tristan Jerry. Bel arrêt. Mise en jeu de Connor. C'est perdu. Et c'est Hornqvist vers Schultz, vers Chris Letang. Et les Penguins vont sortir facilement. Phil Kessel. Kessel s'amène. A pas vraiment d'option. La passe, gros jeu. Good job Hopkins. La passe à The Rock. Un contre un. The Rock s'amène. La belle fête. Derrière, il n'y avait aucune personne qui checkait. The Rock! Oh, que ça a passé proche. McDavid tente de récupérer la rondelle. C'est pratiquement fait. Mais c'est raté. Hornqvist, bonne mise en échec de The Rock. Et on peut aller changer. Donc, Brassard. J'ai-tu vu Brassard? Ok, non, Brassard avec les Penguins. Je pensais que j'avais vu Brassard avec les Oilers. Là. Je trouvais ça un peu bizarre. 3 à 2. Toujours. Et on a un désavantage numérique là, pendant encore un bon 2 minutes, donc faut faire attention. Bon jeu, Malkin est dangereux, le tir devant, qui a la rondelle, c'est Martin passe à Crosby. Les Penguins là, semblent être installés. Dumoulin, la passe à Martin vers Dumoulin. Vers Crosby, devant pour Martin, good job.
Bon jeu avec le bâton pour Draisaitl et je vais en profiter pour aller changer. Les Penguins contre-attaquent toujours 34 secondes à faire à l'avantage numérique Crosby. La passe tentée, good job, le dégagement et The Rock va tenter d'aller chercher. Mais le temps est beaucoup plus rapide, mais belle pression de Rock là, qui embête un peu Christopher le temps et on va en profiter là, pour aller changer. Bon changement nous dit le coach, ben, excellent. 10-57 à faire. Et il reste 9 secondes à l'avantage numérique. Donc on s'en est sorti là, je pense même qu'on a eu le droit à 5 contre 3 du côté des Penguins. Donc 18, tout va bien pour l'instant. Panique! The Rock est seul! The Rock s'amène! La fin de la tire de but! Rock the Rock Jr! Et c'est 4 à 2! Let's go! Let's go! Quelle passe de Tristan Jerry! De Tristan Jerry! Quelle passe de... C'était-tu Jerry? Il me semble que j'ai vu Jerry, c'est peut-être pas Jerry. J'ai peut-être massacré le nom d'un de mes joueurs, là, mais son troisième de la saison. Et quel but en échappé du revers. Tristan Jerry, le gardien de but, lui, a été complètement déjoué. Entré en collision avec le net. Et les partisans extrêmement contents au Roger Place Arena. C'est qui la passe, là, que je m'excuse à propos de son nom, là. Donc, The Rock a marqué assisté de, on le dit même pas. Bon, ben, désolé, du moins. Passe à Jake Guentzel. Jake Guentzel s'amène vers l'extérieur. Guentzel toujours. A pas beaucoup d'options. La passe à la pointe. Dumoulin. La passe. Matin. Oh, chanceux le matin là-dessus. À la pointe. Le tir de Matin facilement bloqué. Talbot va redonner la rondelle. Et Clefbaum va sortir. Ryan et Jim Lopkins. McDavid et The Rock drive la net. La passe à la pointe. Le tir qui est bloqué. Bon tir, mais bel arrêt du défenseur qui a mis son corps devant le filet. On a retrouvé une avance de 2 buts. Let's go. Je suis tellement content d'avoir marqué un but, là. Tellement content. Je pense, est-ce que c'est le premier vrai but qu'on marque? Non, on en avait marqué un but un peu chanceux. Mais on en avait marqué un. Johnson. Johnson vers Hornqvist, vers Crosby, vers Johnson. La passe. Bon jeu de Rock qui intercepte. La fin de tentée. De Rock toujours avec la rondelle. A pas beaucoup d'options, là. De Rock va tenter de remettre. C'est Connor McDavid qui rate une belle chance là-dessus. Quelle chance ratée. Face à Hornqvist, The Rock est seul. Et la sortie de zone des Penguins est facilement complétée. Patrick Hornqvist, la passe tentée, gros jeu. Est-ce que Benning? Non, Benning va décider de revenir, bonne décision. Oleksiak, la passe. Sidney Crosby passe vers Patrick Hornqvist. Les Penguins là, ne trouvent pas d'espace pour rentrer dans la zone. Les Oilers le jouent très très bien. On laisse pas les Penguins entrer en contrôle. Devant le filet, good job The Rock, beau plongeon. Qui empêche Sidney Crosby d'attaquer le filet. Face-off, on a décidé de nous laisser sur la patinoire même si ça faisait 42 secondes. Jake Guentzel s'est bloqué le retour. Ouh, Cam Talbot, bel arrêt. The Rock, là, ne collera pas la rondelle. Va nous assir, coach. Non, on laisse probablement pour Connor McDavid et ses stats en face-off, là. Des bonnes chances que ça soit ça, McDavid. Come on, Ryan Jim Hopkins. Belle passe à The Rock. The Rock s'amène. Tente un tir, c'est bloqué là, on a tenté de surprendre entre les jambes de Dumoulin, c'est complètement raté. Contre-attaque, Jake Guentzel. Jake Guentzel, beau poke check, Malkin tire du revers, bel arrêt. Et The Rock là, et The Rock et Malkin là. C'est The Rock qui a eu l'avantage là-dessus, let's go. 4 à 2, 2 minutes 19 à faire. Milan Lucic en vient changer, et Connor McDavid passe à The Rock. The Rock est seul avec McDavid. Laisse pour McDavid. Oh, belle ta... Oh my god. McDavid s'est fait frapper. Je peux même pas venir à sa rescue. Qui c'est? C'est Hornqvist là, qui l'a frappé. On va s'en souvenir. The Rock intercepte. L'autre passe saisie par Hopkins. La passe tentée. Revirement de Ryan Eugene Hopkins. C'est Nick Crosby. Devant le filet. Oh, que ça a passé proche. Hopkins tente une passe. C'est Matta qui intercepte. Hopkins, ça fait deux mauvaises passes qu'il fait là. Ryan Eugene Hopkins, troisième mauvaise passe. Hornqvist, Matta. Hornqvist. Les Penguins là, sont en train de dominer complètement. Connor McDavid, sorti du gardien. The Rock contre-attaque. The Rock est seul. Son tir et voilà. Deuxième but ce soir pour la recrue Rock The Rock Jr. Et ça vient de confirmer la victoire des Oilers. Let's go. Et les Oilers remportent un match plus qu'important. The Rock obtenu assurément deux buts, peut-être plus, avec peut-être une passe.
Mais wow, quelle performance! The Rock, 2 buts, 1 passe, 3 points! Et c'est Richard Panik, mais non pas Tristan Jerry, je sais pas pourquoi, c'est Richard Panik qui a fait de la passe. Mais The Rock, une autre performance de 3 points, bon, on disait qu'il fallait pas s'asseoir sur nos lauriers. Je pense que c'est exactement ça qu'on a fait là, on a continué de donner tout ce qu'on avait. Et une autre victoire, 3 victoires de suite, 7-1, 7-3 et 5-2 pour les Oilers. On est une équipe qui marque des buts. The Rock a 12 points en 7 matchs, 4 buts, 8 passes. En 7 matchs, 12 points en 7 matchs. Milan Lucic vient marquer deuxième période, 1-0 toujours, deuxième période. Troisième, John Carlson et overtime. Washington vient gagner en overtime. The Rock là-dessus probablement pas obtenu de points, non. 12 points en 8 parties. Il mène quand même les Oilers, là. Rock the Rock Jr. Il est pas le plus beau, hein. Son père est un petit peu plus beau que ça. Contre les Prédateurs, on ne jouera pas ce match-là non plus. Première période, 3-1, Larson, Strom, McDavid. Deuxième période, 4-3, Paul Yarvi. Et troisième période, overtime. Et encore une fois, on se fait avoir en prolongation. Même chose que contre Washington, on perd l'avance. Et on est 5-2-2. On n'a quand même pas perdu en temps réglementaire dans nos 5 derniers matchs. Et là, on joue contre les Blackhawks. The Rock n'a pas obtenu de points lors de ces 2 derniers matchs. Et on descend sur la deuxième ligne. Donc, vous voyez, deux matchs où est-ce qu'on n'a pas de points. Et là, on décide de nous mettre avec Draisaitl et Richard Panik. Donc, faut trouver un moyen de retourner avec Connor McDavid. C'est ce qui marchait, faut retrouver un moyen. Donc, let's go. On veut tout faire pour retrouver la confiance de l'entraîneur et aller sur le premier trio. Strom, Puljujärvi, McDavid, tabarnouche. Ok, 10-1. Nurse, Carrier, Lucic, Larson, Kane. Mais je pense qu'on peut simuler ce match-là. 11-2. 11-2, la victoire des Oilers. Quand je vous dis qu'on a une bonne attaque, Strom a eu 5 points. Est-ce que The Rock a obtenu un point? Si The Rock n'a pas obtenu de point dans ce match de 11. Aucun point pour The Rock sur 11 buts. Pas un point. Aïe aïe, ok. Dommage. Très dommage. Bon, contre le Wild du Minnesota, on va jouer au domicile des Oilers, le Rogers Place Arena. C'est parti, première période. Deuxième période, 1-0. Granlund a marqué, donc let's go The Rock. Faut briser l'égalité et surtout commencer à faire des points. Ça, je vous avais dit, on va avoir une mauvaise séquence à mener. Ben, ça l'est, la mauvaise séquence. 1-0. On simule, on est sur la deuxième ligne. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas eu de points. Lucic semble bien jouer, donc on lui préfère Lucic avec McDavid, mais on va voir. Sekera, la passe vers Nurse, vers Sekera, son tir est bloqué, presque dévié. The Rock, là, ça prend des bonnes performances. Ça prend de l'attaque. Il faut en provoquer, là, c'est l'objectif. The Rock coupe la passe, gros jeu, il va venir frapper Parisi, va, en tout cas, va tenter de le frapper. L'objectif, c'est quand même de rester dans la Ligue nationale. Là. Ça va être ça l'objectif. Mauvaise passe de Panik là-dessus. Là. Aurait pu y aller d'un entrée de zone. Richard Panik derrière les filets. Belle passe. The Rock tente de trouver une option de passe. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il va aller au net? The Rock est seul pour l'instant. Et Opelay. On va aller changer. The Rock a été sonné. Il rentre bredouille au bas. J'ai pas d'option de passe. Draisaitl et Panik l'ont décidé que... Je sais pas, on restait planté, aucune option de passe. Personne au net non plus. Prochaine fois, il faut que j'amène ça au net beaucoup plus rapidement. Mais dans le chat, je vais changer. On est encore en contre-attaque. Panik tente une passe. Mauvaise passe de Richard Panik. On s'entend que c'est pas Hopkins du McDavid, hein. Richard Panik, là, c'est pas le même joueur. Russell se fait solidement frapper. Personne pour venir supporter son joueur, là. La passe. Patterson. Passe à Balkowski, Vaikkonen, le Wild qui domine présentement. Russell tente de sortir, Binning enfin et The Rock va tenter de contre-attaquer avec Draisaitl. Mauvaise passe, revirement. Oh, Foligno, Panik. Remet derrière pour The Rock. The Rock s'amène, tente une feinte, mais Balkowski était là et ça va vraiment pas très bien dans ce match-là. Là. Ça va vraiment pas très bien dans ce match-là pour The Rock. Face-off important, avantage numérique pour 2 minutes. Si on veut un moment pour marquer, là, c'est le temps. Prise 2, mise en jeu. Let's go, là, ça prend un face-off gagné. On perd encore le face-off. Et le Wild va dégager facilement jusqu'à l'autre bout. C'est Clefbaum. Belle passe à Strom, vers The Rock.
Strowman. Oh, The Rock, quel mauvais jeu, mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Le dégagement est réussi, c'est Ward du Minnesota qui s'empare de la rondelle. La passe, Clef Bomb. Va réussir à remettre vers The Rock. The Rock tente de déborder le défenseur à la pointe, merci. Clef Bomb, Sekira passe à The Rock. Je sais plus quoi dire. Autant en début de saison, ça allait magnifiquement bien. Et là depuis peu, là... Oh, belle fight de The Rock. Oh, quelle fight! Richard Panic! The Rock, oh, quel arrêt! Ça aurait été bon pour la confiance, ça, un petit but là-dessus. Encore une fois, The Rock a pas beaucoup d'options, là. On me donne pas énormément d'options. Sekira passe un Panic devant Sekira. À la pointe. Sekira devant. Le tir est bloqué par Mason. Bel arrêt là-dessus. The Rock tentait de faire un petit screen. Ça a pas trop marché. On a eu une bonne chance, mais on n'a pas réussi à marquer. Dommage. 1 à 0, toujours pour le Wild. Les Oilers n'ont toujours pas réussi à trouver le fond du filet. Lucic a toujours de la misère à trouver le banc. Et Suter va remettre vers Niederreiter. Niederreiter, pas beaucoup d'options. Beau jeu de tout le monde là-dessus en défensive. Russell qui a de la misère, fait des revirements, ça n'a pas de bon sens. Zucker, quel jeu de Rock qui lit la passe. Il s'amène seul. The Rock tire, oh, il manque le filet. The Rock en échappé, réussit à rater le net. Oh my god, en plus on me dit bon tir. Ah, Stall de l'autre côté, passe à Niederreiter vers Dumba. Tir qui est bloqué. Drysdale, deuxième échappé pour The Rock. The Rock s'amène du revers. Quel arrêt. On est 0 à 3. Plus de bâton là pour le joueur du Wild. Pendant que Panic, là, il faut en profiter qu'il n'y ait plus de bâton. Là. Faut que ça marche. Panic tente d'attaquer le filet. The Rock rate la rondelle. Oh my god, je suis 0 à 3 en échappé. Ça va vraiment pas bien. 1-0 toujours. Drysdale passe un Clef Bomb. Et on décide de revenir là. Revirement encore une fois du défenseur de Oilers. Beau jeu par exemple Larson qui rentre dans le filet. Ne savait pas qu'il y avait un filet là. Et Larson va contre-attaquer. Belle passe pour The Rock. Ça aurait pu être dangereux. Drysdale. Oh, j'ai tenté de me tasser du chemin. Finalement, Drysdale m'a juste dégagé dessus. Panique. Les Oilers ne réussissent pas à rentrer dans la zone. Koivu va s'emparer de la rondelle et va contre-attaquer par lui-même. Mikko Koivu. La passe à Dumba. La passe interceptée. Good job. Oh, ça touche The Rock. On n'est pas chanceux aussi à maner là. Mikko Koivu. Koivu tire bien bloqué. Good save. On peut pas blâmer notre gardien là, il faut. Les seules personnes à blâmer, c'est nous là, on réussit pas à marquer de but. The Rock s'amène, personne encore pour supporter l'attaque. Et je pense que ça va être notre dernier chiffre là, fait que si on a quelque chose à faire là, faut que ça se passe maintenant. Ryan Eugene Hopkins passe à McDavid vers The Rock. The Rock, oh my god! Je le rejoins Connor McDavid, j'ai jamais réussi. Mais beau jeu de Rock là avec McDavid, ça se bat bien. Le tir de lui est bloqué devant le filet. The Rock Reaper. À la pointe, good job. On prend notre temps. Le devant le filet, oh, c'était pour Ryan Eugene Hopkins. Hopkins. À la pointe, Clef Bomb passe à McDavid. Va, oh, la passe derrière le filet. The Rock là avec. The Rock avec McDavid et Hopkins, là, ça fait encore des choses. Ryan Suter, mais finalement, là. Ça faisait assez longtemps, on a eu des bonnes chances. On a tout dans le vert, ça c'est bon, mais. Je pense qu'on réussira pas à marquer, là. À moins que McDavid, comment, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est un filet désert? C'est un filet désert. Le Wild du Minnesota va blanchir les Oilers. Et ça va pas bien pour The Rock. Là. C'est vraiment pas une bonne séquence là, présentement. Faut juste faire un bon match offensif. Faire un petit point et on va retrouver notre confiance. Donc on se retrouve pour le prochain et dernier match de l'épisode. C'est parti, on joue contre Washington. Les gagnants de la Coupe Stanley. 3-2 pour les Oilers, ça va très bien. Je pense qu'on a gagné nos deux derniers matchs. Donc ça va, on est sur une belle séquence. En plus de ça, on mène 3-2. Lors du dernier match, The Rock a obtenu une passe. Donc on parlait d'un peu de confiance. Mais ça en fait partie, let's go. Grosse mise en échec là. The Rock a intercepté la rondelle. Il va contre-attaquer, The Rock est pas très très fort. Mais se bat vraiment beaucoup là. Physiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais au moins là, on donne tout ce qu'on a. Panic, passe à The Rock. The Rock s'amène solidement frappé de dos. Complètement frappé derrière les numéros là. Il aurait dû avoir une pénalité là-dessus. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Contre-attaque. La passe à Drysdale. J'attaque le net.
Derrière, c'est mauvaise passe de Leon Draisaitl là-dessus. Mais beau jeu de Panic. The Rock va tenter de déborder. Panic récupère. The Rock s'amène. Ça a été beaucoup trop long. Et Dimitri Orlov va réussir à sortir et on va réussir à l'échanger. L'important, il faut que j'amène mes tirs plus rapidement au filet. Je prends trop mon temps. Et des fois, c'est ce qui empêche d'avoir une bonne occasion de marquer juste d'amener le puck au net. Là, ça peut beaucoup aider. Ça donne des chances quand t'as pas que le puck au net, ça c'est sûr et certain. Draisaitl, passe à The Rock. Qui remet vers Sequeira qui contre-attaque. Bon jeu. Belle fin de Sequeira. C'est The Rock qui va récupérer la passe à Sequeira. On attaque. Le filet, le tir. On bien bloqué ça. C'est un bon tir de la part de The Rock. Malheureusement, ça a pas marché. On essaie de soutirer la rondelle. Konechny. Konechny, peu importe. Kempny, peu importe. Dry Nurse. Passe à Panic. Vers Draisaitl. Draisaitl. Attaque le net. Derrière les flics, t'as besoin. Et voilà. Derrière. Merci. Draisaitl. La passe. Amène Dosso au net. Tire qui dévie plusieurs fois. The Rock a raté le retour. Et ça n'ira pas plus loin. Draisaitl au face-off. Ça prend une mise en jeu gagnée claire si je veux avoir un bon petit one-timer. Draisaitl qui la perd, la mise en jeu. Et Carlson va contre-attaquer. La passe à Kuznetsov. Bonne mise en échec de The Rock là-dessus. Contre-attaque. Beau jeu. TJ Oshie passe à Carlson. À la pointe là-dessus qui rate complètement le filet. Et Draisaitl va remettre vers The Rock. Un contre un. Le tir qui est bloqué. Il va continuer d'attaquer le filet. Et ça aurait bien pu provoquer quelque chose. On va en profiter pour aller changer. 4 minutes à faire. On est toujours en avance d'un but. Donc c'est les missions défensives là, qui vont compter. Jusqu'à partir de maintenant. Et jusqu'à la fin du match. Là, c'est un revirement. Au départ de Tom Wilson. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Le Niskanen, la passe. Via Wilson, via Niskanen. Il n'y a pas d'option de passe. On force le dégagement et on espère la récupération. Le Clefbaum qui travaille fort entre en contact avec le gardien. C'est Vrana là-dessus. Bonne mise en échec de The Rock. Et Draisaitl, il faut que ça sorte. Revirement de Leon. Très mauvais jeu là-dessus. Là. On avait une chance de sortir assez facile. Good job, The Rock. Et là, on va pouvoir sortir pour vrai. The Rock Simon. La belle fête. Passe un panic. Bon tir bloqué. C'est un beau jeu, ça. Back check. TJ Oshie. Passe un Niskanen. Niskanen, dégagement jusque dans le fond. Et on va en profiter pour sortir. McDavid. McDavid est avec The Rock. Là, on se souvient. Ah, Ovechkin qui back check. Ok, on aura tout vu. Il reste 2 minutes, là. S'il vous plaît, faut tenir le fort. Faut aller chercher les 2 points, là. C'est ce qui est important. Et voilà, les Oilers d'Edmonton. Stay strong. Reste fort et vont chercher la victoire. Ça n'a pas été le gros match pour The Rock, mais ça a été le gros point. Gros 2 points pour les Oilers. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Et on se retrouve très prochainement pour, en espérant, The Rock avec les Oilers. Ciao, bye.